Bonsoir, on se retrouve pour la suite du tuto du petit album Zigzag. Donc j'ai changé la couleur de la couverture, simplement j'ai rajouté un autre papier. On a fait cette partie de gauche avec les deux pochettes en pointe. Puis la deuxième partie où j'ai rajouté une petite flipette avec les trois rabats. Hop. On va attaquer la troisième partie. Donc, celle-ci. Alors, cette page-là, elle mesure la règle. C'est la page de base, donc elle fait toujours 21 sur 16, hein, on avait dit. Donc j'ai enlevé le papier déco. Sur le papier déco, j'ai enlevé 0,5 cm. Voilà, donc je place comme ça. Et j'ai prévu deux pochettes l'une sur l'autre. Donc une grande pochette qui fera 15,5 sur 11, sachant que je rajoute toujours, hein, vous savez maintenant, 2 cm sur chaque côté et en bas pour les plis et les rabats. Donc 15,5 sur 11. Donc je travaille toujours sur le papier déco, comme d'habitude. J'insère ma pochette dans le papier. Enfin, j'insère plutôt le papier déco dans la pochette, ça commence bien. Je vais la coller. Je vais y mettre un petit morceau de papier. Dans les chutes, hein, j'ai récupéré dans les chutes en général. Pour les pochettes, c'est ce qu'il y a de bien. J'utilise beaucoup les chutes de papier. Hop, pardon, je passe devant. Alors, j'ai changé de massicot. Mais alors, j'arrive pas du tout à m'y faire, celui-ci. J'ai beaucoup, beaucoup de mal. Je ne sais pas si c'est moi, mais il vient de chez Action, bien sûr. Hein. Le clap est toujours très. J'ai beau forcer, toujours très dur. Voilà, coller celle-ci comme ça. Et en fait, comme on va mettre une deuxième pochette, je vais insérer cette petite pochette dans le deuxième papier déco. Donc c'est toujours 15,5 hein, puisque j'ai un papier de 16 et un emplacement de 16. Donc j'ai fait 15,5 sur 7. Et toujours pareil, 2 cm là, en bas et sur les côtés. Hop, je vais insérer mon papier déco dans la pochette. À moins que je le mette après, je ne sais pas. J'éternue, excusez-moi. Je pense que je le mettrai peut-être après. Ou alors je vais le mettre comme ceci. Je prends mon papier déco, je vais le mettre au milieu. Je garde la petite languette fermée à l'intérieur. Comme ça, j'ai une petite pochette. Hop, ça y est, j'ai fait une allergie. Et je vais corriger mon pli. Voilà. Ça, je le pose là. Trois, tant qu'à faire. Et ça m'a fait une double pochette. Voilà, je vais coller la languette. Milieu, à peu près, hein, c'est pas suis pas droite. Je suis pas droite, j'ai du mal, hein, toujours avec le
Alors, je vais faire pause 2 minutes pour aller.